Bonjour. Bonjour. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous ça va. En tout cas, salut Strega, salut, salut Clamelu. Danse sur Kirby. J'arrive même pas à boire. Submersion, alerte submersion maritime, carrément. Ah ouais. Eh bien, bon courage, hein. Il paraît que c'est compliqué, hein, submersion maritime. Comme strat. Bon, j'espère que vous allez bien. C'était dur ce week-end. C'était dur cette semaine. Mais on va passer ça. On va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Ah oui, j'ai oublié un truc. Alors attendez, parce que je reviens. Je vais lancer le jeu quand même. Je vais vous La mettre police tue? l'intro. Ah voilà. Donc alors, la police tue. Je crois savoir pourquoi ça baisse. C'est parce qu'en fait, vu que je baisse mes canaux musicales, bah ça baisse aussi les canaux forcément de commande. C'est pour ça que c'était bas la dernière fois. Je vais lancer le jeu. Je vais aller chercher de quoi voir l'écran parce que c'est très sombre quand même, Baldur's Gate. Ok. À la recherche du prochain cordonnier de la ville. Again. On a failli trouver quelque chose. Failli. Une tâche Ce n'était pas le facile. cas. Tu me proposes quelque chose. Des rumeurs. Les bières de Suze. Bah voilà, on va. Merci Suze pour tes bières. Merci. On va en acheter. Alors, je pense que Saravok l'emportera. Vous avez entendu parler de tous ces assassinats? Oui, bon, oui, bon. Ok, ça c'est bon. Let's go, les chaussuristes. Exactement, ça nous permettrait déjà de trouver la chaussure à son Les pied. villes sont tellement Ou intimidantes. Il y a trouver de quoi tellement de protéger monde. Erazad. Ça serait pas mal aussi. Donc, on avait dit qu'on était à Baldur parce qu'on nous a dit oui. Au magasin du silence, tu vas trouver des chaussures. Oui, bien Eh bien sûr. non. Bon, j'espère que vous avez bien apprécié quand Oui, même bien la sûr. lecture, parce que je sais que je lis assez rapidement, que j'articule pas tout le temps. Voilà. Et que ça a quand même pu vous aider à savoir ce qu'était le livre. De quoi on a des trucs à. Je sais pas. 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 Non. Non, non, non.
Non, je suis pas une machine. Non, mais après, ouais, c'est ça, c'est le truc, c'est que j'ai pas masse de temps et j'avais envie absolument de vous faire au moins toute la lecture de l'intro. C'est Oui, bien un bien sûr. pour un mal. À refaire, ok. Cool. Parce qu'en fait, bah, c'est étrangement. Non, c'est pas du tout étrangement les meilleurs scores de cette chaîne. Chronologie faisait du score dans le sens où au niveau des stats Twitch était content. Je sais pas s'il faut que je le sois ou qu'on le soit avec Nibbler. On avait fait quoi d'autre? On avait fait d'autres Oui, bien lectures sûr. qui ont bien marché, mais la race tue deux fois, c'est un truc que voilà, pas grand monde connaît, je pense, quand tu sors des milieux qui sont pas à base antiraciste, on va dire. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui lisent beaucoup de livres sociaux sur Twitch, mais pas forcément sur la race. Donc voilà, il y a C'est beaucoup de fait. commentaires autour, mais pas beaucoup de lectures. Sur des personnes qui en plus qui ont travaillé dessus et qui ont accompagné les luttes, hein, et qui accompagnent encore les luttes. Oui, bien On va trouver sûr. des trucs, hein. Mais c'était cool de vous avoir, c'était cool d'avoir du monde. Ça m'a montré que voilà, je me doutais que ça allait marcher entre guillemets dans le sens où la lecture forcément c'est un truc qui est apprécié sur Internet, ou du moins sur Twitch, il y a une grosse base de Une tâche facile. une grosse base de lecture d'articles, donc voilà. Surtout à gauche. Vous avez dû capter que les modos C'est sont dit fait. ah, il y a quand même du monde. Pourquoi aujourd'hui il y a du monde? C'est fait. Attendez, je vais regarder quand même si ça se passe. Donc Petit Cancan est passé et Nibbler est passé en mode je vais quand même regarder parce que Nibbler a entendu toutes mes hésitations. Donc du coup, Nibbler est passé. C'est pas un truc que j'apprécie beaucoup. En fait, il y a dans le sens où ça met quand même la visibilité sur une Une tâche personne facile. d'une manière qui est C'est pas fait. forcément la Que Dieu plus vous garde agréable si dans le vous sens où réussissez. potentiellement sur Twitch, vous savez comment ça se passe. Oui, bien sûr. Quand même de me protéger aussi. Une tâche facile. Voilà. Que dire de plus? Non, mais du coup, c'était bien. Moi, j'ai bien. En plus, je crois que je vais continuer la lecture. Ouais, je Oui, pense bien que sûr. c'est. Une petite cancan, c'est sans doute parce que C'est fait. il y avait du monde. Et donc, du coup, c'était peut-être nécessaire donc, de passer pour voir comment ça se déroulait. Mais Petit Cancan et Nibbler savent que ça va. Là que je fais la modération chez Petit Cancan, chez Histoire Crypto en général. Les deux peuvent voir justement le ce que je gère un peu quoi. Mais c'est vrai que quand il y a un article qui est lu ici, c'est autre chose. Je me mets dans une position quand même. Après, il y a le livre, hein. Le livre est bien, tout ça. Bien sûr. Ah oui, mais ça c'était sûr. Moi, je me doute que les contenus jeux vidéo, de toute façon, ne ramènent pas C'est grand monde, fait. surtout quand tu traînes dans des chats de gauche. Dans le gaming, c'est autre chose. Si je traînais avec des gens qui font que du gaming, ouais. Mais je sais aussi qui aller Oui, bien voir si je sûr. veux avoir du gaming de gauche. Donc du coup, en soi, bon, faut qu'on trouve un truc là. J'en peux plus d'avoir. Il est vraiment à walper quoi. Trouvez quelque chose pour Azad, s'il vous plaît. Ouais, je fais modo chez Histoire Crépus depuis 5 ans. Parce qu'en vrai. Une J'avais tâche commencé la facile. chaîne avant. Histoire Crépus. Alors j'ai ouï dire que Histoire Crépus cherchait quelqu'un pour pouvoir commencer Twitch.
Et j'ai dit, vas-y, go, je te fais la modo. Comme ça, au moins, t'es à l'aise. Dès le début. Et tu peux te... Bon, la blague est là. Tu peux te concentrer sur la technique. Bien Et sûr. sur tout le reste. Comme ça, au moins, pour le début, voilà. T'es à l'aise sur l'ensemble. Du coup, tu peux commencer tranquille. Et après, C'est fait. la blague, c'est que la technique est toujours pas là. Donc voilà, c'est ça un peu la blague. Mais bon, du coup, on a discuté avec Histoire Crépue il y a 2 semaines. Voilà. Une tâche facile. Ouais, c'est la technique qui se concentre sur les lives, exactement. Ah. Il y a quelqu'un qui dort et qui parle dans son dodo. Miaou! On va dire miaou! Sale chat. Une Salut! tâche facile. Une tâche facile. J'espère qu'il a bien compris que c'était bien un vrai chat. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, et bah dernièrement c'était bien. Mais après, faudrait que je pense que je squatte un jour Une le live tâche en fait. facile. On a loupé le coche. Parce que pour le live où il y avait la présentation du livre avec Françoise Vergès. J'aurais pu y aller, mais j'ai dit, en fait, si vous voulez que je fasse un truc efficace et que tout le monde soit bien à l'aise, faut pas que je sois là. Du coup, il y avait Nibbler qui était. Moi, d'assez mauvaise Et humeur, c'était en sans public et que tout. vous m'ennuyiez. Basique, en liberté. Oh non. Ce moment même, le monstre est quoi? Il y a un petit... Il fait du grabuge dans un des entrepôts du port. Alors, il me faut quelqu'un qui s'embête. Ok. Est-ce que si je lui reparle, est-ce que je l'ai déjà fait? Les caisses sont plus décorées que le palais ducal, ok. Là, dernièrement, c'était dimanche. Mais c'est surtout qu'il live pas beaucoup. Mais non, mais après, c'est des petits détails chez Histoire Crépue, c'est pas trop. Le contenu est là, quoi. C'est fait. Moi, ce qui m'inquiète, c'est suite à ce week-end, est-ce que ça va être Zawa Prod? Vu que c'était en discussion C'est apparemment. fait. Vous voulez du whisky? Parce que là, je vais devoir partir, je crois. Partir ou discuter, je ne sais pas. Je crois que c'est pas très Moi, je efficace sais de pas, vous discuter avec des gens m'ennuyez. qui ramènent 750 000 balles en moins de 24 heures, C'est mais. les cops. Je ne sais pas qui vous êtes, je n'ai pas besoin que vous m'agressiez. Je suis qu'un étranger un peu perdu, détendez-vous, épargnez-moi vos manières, tout ce que je veux, ce sont des informations sur le trône de fer. Ok. Bon bah merci. Hein. Oui et non, parce que si ça dépend aussi de qui squatte le chat. Là pour l'instant, C'est fait. l'Histoire Crépue a son propre chat, dans le sens où il y a des propres spectateurs, spectatrices qui sont là. Si on ramène par exemple une Oui, grosse bien sûr. 5 000 personnes. Une chaîne qui a des problématiques politiques. Oui, bien clairement, sûr. moi je pense qu'on va se le dire comme ça. Clairement, Entre la pénurie de fer et tout le reste, travailler. les affaires ont plutôt tourné au ralenti ces temps-ci. Même si c'est une prod, et donc du coup qui fait de la maille avec ton contenu, parce que c'est ça la production, c'est faire de la maille avec un contenu. Plus toi, tu fais ton contenu et tu te sens à l'aise parce que t'as de la maille qui rentre, donc du coup tu peux sortir ton intermittence ou entrepreneuriat. Ok, d'accord. C'est tu fais vivre toi et ton équipe. Ok, c'est vrai que ça te met à l'aise. Par contre, position politique que ça te donne et les convictions C'est fait. que ça te donne avec un chat de 5 000 personnes qui n'a pas système de modération, par exemple, déjà juste ça, bah c'est compliqué parce que c'est un rapport politique la modération les gens. En fait, c'était une discussion. C'est apparemment c'est Sunboy Oui, qui bien disait que sûr. Zawa Prod avait approché. Donc on va voir comment ça se déroule. Ah oui, il y a des producteurs sur Twitch, Clem Lelut. Tu n'as pas suivi le problème de ce week-end, je vois. Je ne t'en dirai pas plus. Nous sommes toujours sous les feux. Ou dans le feu, ou voilà, Mes entre les enfants feux. y m'attendent. Salut Fred, j'espère que tu vas bien. On n'était pas du tout en train de parler de production.
Voilà, donc du coup, faut... ouais, c'est ça qu'il faut se dire. C'est... Moi, je... Merci pour la fraise, d'ailleurs. J'ai cru comprendre que c'est toi qui mettais les fraises sur les postes de la Rastu deux fois. Mais lurk, Fred, j'ai vu ta bio, j'ai lu la bio. Je suis allé voir. LinkedIn bio, j'ai vu. J'ai vu, tu peux être total lurk, comme tu veux. Je ne sais pas qui vous êtes. Mais je n'ai pas besoin que vous m'agressiez. Je ne suis qu'un étranger un peu perdu, détendez-vous. Oui, je cherche quoi. Ne vous attendez pas à ce que je vous indique votre chemin, contentez-vous de vous pousser du mien. Je ne resterai pas un instant de plus dans cette ville, maintenant que les routes se libèrent. Ok, bah c'est bien. La balafre est mort, et Angelo, son remplaçant, serait une marionnette dans les mains de Saravok. Mais ça, on sait déjà tout ça! Bon, on va aller taper Saravok, hein, parce qu'il faut finir le jeu, je crois. Le jeu nous dit, t'as fini le jeu. Principalement. Eh bien, c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Il y a eu C'est vrai. une pompe à eau qui a été... qui a été ouverte. Cette eau a ramené beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup d'eau en direction de très peu de personnes. J'ai fait un petit... D'ailleurs, j'ai fait... Une tâche facile. Je l'ai vu arriver très rapidement, plutôt. Et du coup, j'ai fait un petit poste qui est passé sous le feu, parce que c'était pas encore le feu. Et... Une canalisation d'égout. Ah oui, carrément. C'est fait. Ouais, je suis passé entre les gouttes Ne me touchez pas, de feu, ou bien sûr. je risquerai d'attraper quelque Oh, chose. parce que pour moi, Qu'est-ce que vous en fait, c'est voulez? tellement un move de boîte de prod, en fait. que, enfin bref, faut connaître un peu les boîtes de prod, parce que c'est tellement un move de boîte de prod de recruter des gens comme ça. Et après, tu te dis, ah mais pourquoi c'est sans saveur? Pourquoi ça sent le conformisme? Pourquoi, oh, je ne comprends pas. Tout est beau, l'image est belle, mais... Heureusement qu'ils ont équipé une... Voilà. Heureusement qu'il y a des gens qui vont en vivre, quoi. C'est tout. C'est le truc, quoi. En vrai. Ça va pas amener grand-chose de plus. Nous sommes venus tenter votre chance au royaume des jeux. Ah non, mais ça, non. Esplendeur. Endroit de jeu, ici? Ah! Vous voulez du whisky? Whisky, peut-être pas. Délice de l'Urien. Bref, je n'en dirai pas plus. J'ai eu un Z de la vraie gauche en com. Ah bon? Sympa. Sympa, sympa. J'ai vu C'est fait. deux, trois lives de personnes qui ont participé à la discussion. C'était pas incroyable. Hein. Non, mais c'est pour ça, Strega, je te disais, faut y aller tranquille. On était dimanche, moi je me suis dit, bon. Chose à faire. En plus, je me suis pété la gueule. En skate, genre dans la semaine. Le taf, ça prend feu actuellement. Ce matin, je me suis pété un bout de dent parce que Oui, monsieur. j'ai, voilà, mangé. Tout simplement. Quoi vous dire, quoi? C'est genre, c'était pas la semaine pour moi. Non, la semaine dernière, ouais, je me suis pété la gueule. Oui, Donc du coup, moi, monsieur. dimanche, j'étais en mode, je suis fatigué, laissez-moi mourir. Donc voilà. Là, je suis en train de me gratter les yeux et je crois que je vais mourir, vraiment. Faut pas, faut que j'arrête. On va aller à la taverne. C'est pas aux tavernes qu'on trouve des habits, mais on sait jamais. Oui, alors Raving Bell a vraiment produit la chronologie, sans mettre quoi que ce soit de son nez dedans. Et pourtant, il y avait moyen. Raving Bell a totalement C'est mis fait. 5 balles par mois quand même. Faut remercier. Très sympa, on a pu augmenter un peu le truc parce qu'avant il n'y avait pas de caméra. C'est fait. Avant il n'y avait pas de mémoire d'ordinateur parce que quand on ouvrait des onglets dans Vous devez Chronologie c'était réunir une votre équipe galère. avant d'aller plus loin. On en ouvrait 15. Et voilà. Donc, du coup, grâce à Raving Bell, on a acheté de la mémoire pour l'ordinateur. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Qui me permet d'être Oui, aussi à l'aise monsieur. à jouer à Baldur's Gate 1. Parce qu'en vrai, on pouvait pas.
Alors oui, non. Ne parlez pas de vieillissement. Une tâche facile. Là, j'ai remarqué que ma barbe commence à devenir grise. Bientôt, on pourra m'appeler 13 bis le gris. Lol. Boutique à potions. Ah, mais oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'il fallait qu'on s'équipe de potions. Hier, ça n'existe pas. Oui, c'est dans la tête. Pareil. Toute cette merde, ça me fait encore plus apprécier certains espaces en ligne. Mais exactement, c'est ce que disait Spino Pizza hier. Merci à elle. Franchement, je suis archi d'accord. C'est-à-dire que dans le truc, c'est genre. En fait, là, c'est le live de Spino Pizza hier, c'était vraiment du miel, comme on dit, pour les oreilles. C'était vraiment. Bah en fait, on vous a parlé. Là, c'est à nous on va se parler entre nous. Et ça, c'était vachement cool. Comme ça. Et moi, je suis pour, ouais, d'avoir beaucoup de gens qui occupent pas l'espace pour les autres, comme disaient d'autres personnes sur Twitter, que vous vous doutez, qui ont une chaîne Twitch, que je vais pas du tout faire du chouchoute, mais vous vous doutez qu'il y a des cocktails Molotov très jolis dans le coin, et que je soupçonne que vous avez déjà les cocktails Molotov dans votre poche. Rouge et noir, bien sûr. Des mololoves, comme on dit, dans le vrai jargon. Qui sont ces personnes? Pourquoi ils sont tous habillés C'est fait. pareil? Ah, des roturiers. Donc, du coup, vous êtes tous roturiers et voilà. C'est à faire. Ok. Oh! Une mololove incroyable. Voilà. Donc, du coup, grâce à cette C'est personne, fait. nous avons appris, bien sûr, Alors, je sais plus ce que je voulais dire. Mince! Je vous l'ai déjà Une dit, tâche peut-être. facile. Mais t'inquiète, à 50 ans, ça va, c'est que le début de la vie. La preuve, tu te tapes avec des pompes à eau. Comme quoi, c'est le début de la vie. Hein. Ouais, point d'agisme, exact. Une tâche facile. Ouais, donc du coup. Je sais plus ce que je voulais dire. Oh mince! Oui, c'était sur le fait de discuter. Alors, du coup, oui, c'était ça. C'était sur le fait de discuter ensemble et d'être dans des. D'être des. Ah oui, c'est ça. C'était le terme. C'était. Oh, comment. Comment il a dit? Oh, j'ai pu! Oui, Les. Monsieur. Mais ça fait un moment qu'anti. Anti-patriarcat m'a. Cette position. Et je trouve que c'est archi vrai. C'est sur le fait de vider des endroits de gauche. En fait, ouais, les videurs, voilà. Oui, bien sûr. C'est archi vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on. C'est un truc qu'on le capte pas trop. Mais par exemple, tu vois, genre. Faire son truc dans son coin, que t'es deux, trois personnes Une ou. tâche facile. 10, 20 ou 100, 150, ça n'a rien à voir avec 5000, hein, les gens. Il faut bien se dire ça. Hein. Et quand t'es pas capable C'est de fait. tenir 5000 personnes, bah en fait, peut-être qu'il faut. En fait, le Entre truc, la c'est réellement. pénurie de fer et tout le C'est reste, ça. les affaires ont plutôt tourné au ralenti ces temps-ci. Tu peux pas être en. Te faire tête de proue parce que t'es à 5000. Je pense qu'il faut savoir casser la dynamique. Si tu sais, tu vois, genre, utiliser la dynamique qui est sur Internet, il faut savoir la casser aussi. Et je pense que, en fait, les personnes le savent. Parce qu'en C'est fait, si tu fait. l'apprends au fur et à mesure. Oui, non, mais on est d'accord. Mais du coup, le truc est comme ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est ça. C'est genre. Savoir. Un truc tout bête, hein, mais savoir dire, bah, en fait, non, je suis pas d'accord avec toi. Et où. Faire du contenu qui peut ne pas Oui, être dans monsieur. les. Enfin, qui. Dans ça allait dans le même sens que d'autres trucs que j'ai lus.
qui était sur le fait de en fait de pouvoir remettre en question le contenu par du contenu. Tu peux très bien faire du contenu qui remet en question ta propre position. Ta propre position, ta propre posture, qui n'est pas des ennemis directs, mais au contraire des gens qui sont de ton côté. C'est-à-dire te remettre en question par rapport à d'autres contenus, en fait. Enfin, je sais pas. Et montrer d'autres voies, quoi. Là, par exemple, on a parlé de certaines personnes. Moi, j'en ai strictement rien à faire. On va shoot tout le monde. Les personnes ne sont pas là, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est ça. C'est, je pense, savoir. Ah, je vais essayer de faire les shoot-out enchaînés. Là, s'il faut. Voilà, il est en attente. Je sais pas si moi je le faisais à un moment, mais il faudrait que je le reprenne. C'est-à-dire de prendre l'habitude de dire, en fait, ici vous êtes là, sur une chaîne qui s'appelle 13 bis, ok. Là on fait pas un contenu qui est vachement intéressant, mais par exemple, à côté il y a Raving Bell. Est-ce que vous savez que là Raving Bell est en train de streamer? Est-ce que vous avez envie d'aller voir Raving Bell? Là y a, par exemple, il y a aussi Titalumia qui nous a raid la dernière fois. Qui est en train de faire par exemple du blabla actu do et docu. Et il y a Lilinia qui fait du crochet, si vous voulez aller voir. Il y a Terrestrine qui fait petit live sur Sky encore. Terrestrine qui fait des lives sur Sky depuis au moins plus de 5 ans. Donc n'hésitez pas, Terrestrine qui était une des personnes qui raidait cette chaîne quand on était avec Chronologie en plus. Donc en fait, ce genre de choses-là, en fait, moi je pense qu'il faut pas hésiter à faire C'est fait. ton petit télé 7 jours de. Ah, il y a Gapos. Alors moi j'ai entendu des trucs sur Gapos récemment. Justement. J'ai entendu un truc sur. Mais faut que j'éclaircisse le truc. Apparemment, y a des problèmes de discussion de féminisme. Mais bref, faut que j'écoute. Pour l'instant, j'en suis qu'au Tâche début. facile. Ouais, une sorte de télé-stream, Le c'est-à-dire genre juste de vous président dire, en connaît fait, là, tous vos actuellement, vous êtes en train péchés. de regarder un truc, mais si vous avez envie de vous barrer, barrez-vous. Il y a d'autres sujets vachement plus intéressants, plus importants à côté. Et c'est pour ça que, par exemple, là, les deux shootouts que j'ai, les shootouts que j'ai fait, c'est pour moi des personnes que je considère comme importants à regarder. Plus important qu'une balle dure où on cherche des chaussures, quoi. Revue de presse. Aujourd'hui, on parle principalement de la publicité antipatriarcale. Parfois. Permettez-moi nous de vous abriter sous le regard indéfectible de Home. Désolé, mais ça m'énerve de me sentir constamment surveillé. Je trouverai mon chemin sur le. J'aimerais savoir quel service vous proposez. Oui. On n'a pas acheté les potions. Sachez-le. J'ai oublié qu'il fallait les acheter. Là, on est en train de chercher encore des trucs pour Razad. Je pense qu'on peut aller se faire foutre, en fait. Razad n'aura jamais rien. Et on Oui, peut se dire monsieur. qu'il jouera à poil. Montrer une erreur, ce sera admettre une faiblesse, et dans des pensées dogmatiques, c'est perdre de la portée. C'est pas faux. Mais moi, je pense que tu vois, genre, c'est un truc qui renforce, en fait. Non, non, mais c'est. C'est entre deux personnes que je ne connais pas assez. Mais j'ai entendu ça. C'est pour ça que quand vous me proposez des gens, en fait, je vous fais confiance, mais ne croyez pas que je vais pas regarder Une tâche facile. les gens qui en parlent, quoi, en fait. J'ai tendance à faire ça, c'est-à-dire de vérifier aussi qui raid, quoi ils ont raidé, en général. On ouvre ce domaine. Moi, je m'en vais. De toute façon, on est flou. On va l'ouvrir. Voilà, hop, c'est ouvert. On sauvegarde si jamais on se fait choper par Oui, les points monsieur. enflammés. Hein. Et voilà, mais ça, merci C'est Fred. Ça, fait. je suis archi d'accord. C'est ce que j'ai posté. C'est pour ça que j'ai remis la vidéo de Sakatov d'ailleurs. Jamais de répit. Donc de contre Fory. Je l'ai remis dans le tourment de dimanche. Parce que je me suis dit, oh non, mais en fait, on va éclaircir direct le truc.
Quand j'ai entendu l'équipe qui allait participer aux vidéos, j'ai fait ok, d'accord. Il y a une personne que j'estime et les autres, je ne les connais pas assez. Mais qu'est-ce que ça sentait déjà la banchité. Déjà dès le départ, côté de. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a certains groupes qui se sont accolés à la boîte de prod. C'est aussi pour ça, il y a un truc où il fallait déjà survivre à la fin d'une période. Moi, je trouve qu'on ne met pas suffisamment en question pourquoi le pire s'est séparé de Ouri Abutelja. Parce que c'est ce qui s'est passé. Et que ensuite ait existé autre chose. Et pourquoi cette personne-là en tête de proue? Moi, je ne la connais pas. Je ne l'ai pas bloquée encore. J'ai entendu déjà des on-dit parce que j'ai des connaissances avec cette personne. Mais sinon, c'est tout. Attendez, je cherche bêtement sur mon truc. La vidéo de Sakatov pour vous l'envoyer. Je suis bête, hein. Désolé. Hein. J'ai fait un retweet. Du coup, c'est peut-être une galère ce que je fais. J'ai dit un truc du genre on vous voit ne pas regarder, alors je reposte. C'est ça que j'ai mis. Copie. Et mon téléphone en ce moment il a décidé de pas marcher. Copie. Et je vais coller. Ouais, c'est ça, il y a un truc. Hop, bim. Il y a de la blanchité là-bas. Bim. Après, peut-être que ça peut se corriger. Moi, j'ai vu les sujets, c'est ça que je me suis dit aussi, les sujets qui étaient parlés. J'ai entendu la personne qui va faire ces vidéos sur des spaces où je sais que vous traînez aussi. D'accord ? Dire merci à des personnes où on sait qu'on estime ces personnes-là encore. Que c'est des bonnes voix à écouter, etc. Qu'il y a des bonnes positions, des bonnes mises à jour, etc. etc. presque tous les jours du terrain. Et en fait, genre les sujets traités, je me suis dit, mais... Le suprémacisme blanc, là... Tu vois, genre, en tant que blanc, il y a un moment où il faut se saisir du truc... Je sais pas, tu vois. À un moment, faut faire les choses. Arrêtez de laisser les autres le faire à votre place, quoi. Et en plus, le pire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent du concernisme de l'autre côté. Donc, du coup, à un moment, faut y aller. Montrez ce que vous savez, ce que vous avez appris. Parce qu'en fait, il y a un truc que j'ai l'impression, t'écoutes des gens, H24, tu te mets à jour et tout. Tu dis, ouais, je comprends pas les positions des partis politiques, nanana. Parler du suprémacisme blanc. Alors bref. Ah oui, en effet, nous cherchons quelqu'un pour le nettoyage. C'est un domaine si grand que vous avez intérêt à vous organiser. Avez-vous l'expérience d'un bâtiment aussi grand? Eh bien, la maison de ma grand-mère vaut bien peut-être quelque chose. Oui, j'ai servi l'année dernière au palais. Oui, au palais. De quel palais? Le palais ducal de la grande maison. Vraiment? Eh bien, la grande duchesse Lilia est dans ses murs. Elle a dit ouvertement qu'elle ne serait jamais un serviteur partir sans une maison. Elle ne vous garde pas non plus, nous non plus. Merde, j'ai menti et la personne est là. J'aurais pas dû. Oui, c'est possible. Nous sommes des criminels de la pire espèce. Si nous sommes des invités de votre maître. Ok. Je n'ai pas souvenir que mon maître. Bon, bah d'accord. Ok. Merci. On va mentir à tout le monde et ça va être l'enfer. Je sais pas ce que j'ai fait, mais fallait pas le faire. Oh non! Regardez-moi, il y a toute la queue-faille là qui est arrivée. On en revient sur le fait que ça questionne pas sa blanchité et que faut chercher à se faire entendre dans des chats. Je sais plus où on en était, Fred. Mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Nous allons vous démembrer petit à petit, bande de lèche-bottes. Quoi?
Ah là 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 là. Est-ce que j'ai été déclassé là? Attendez. Attendez, petite pause. Est-ce que j'ai été déclassé parce que je leur ai dit Nick? Voilà. La réputation du groupe a diminué. Est-ce que j'ai été déclassé? Parce que c'est ça le problème la dernière fois. Que j'ai été déclassé. Tracker, chaotique bon. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus, j'étais tracker rôdeur. Là, je suis plus rôdeur, c'est ça? Vas-y, Nick. Nick, Nick le point enflammé là. On a bien fait de sauvegarder avant. Une tâche facile. Bref, voilà. Moi, j'ai fait le taf de juste repartager les camarades. Alors, j'aime pas le terme, mais voilà. Les gens qui font du contenu que je trouve qui est nécessaire actuellement. Ce qui risque pas l'être, en fait. Hein. C'est ça le problème. C'est qu'on n'a pas le time. Je sais pas si vous avez entendu parler de Darmanin et ses 496 arrestations-là, mais on n'a vraiment pas le time de se retrouver dans ce bordel-là. Et ça me fatigue que les gens ils se disent ouais on a 750 000 balles pour pouvoir faire du contenu là. Là on n'en est plus à l'heure, je pense. Et où vous trônez, le space d'hier était pas enregistré. Oh non! Je t'ai vu en plus dessus, je me suis dit non, j'ai autre chose à faire, faut que je sois au courant des choses. Et au final, j'ai loupé. Vous voulez du whisky? Bon, j'espère que c'était bien, enfin, parce que les sujets avaient l'air intéressants quand même. Oh là 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 là, mais après, est-ce que c'est forcément bien, j'ai envie de dire. Quelle question. Ouais, bah ouais, mais c'est le problème Oui, de, bien c'est le sûr. problème des space, hein. C'est Et surtout la police, tout. les tardifs comme ça. Ah, quoi? Il y a eu 496 arrestations. Alors apparemment, il surfe sur l'urgence attentat pour pouvoir arrêter en masse des gens. Attends, je vais aller chercher ça. Et mardi. Je crois que... Ah, j'ai tapé Darmal 100. Normal, j'ai pas trouvé. Excusez-moi. Il y avait une session Gartic Fun chez Franck Grousset et j'avais envie de voir un fun hier soir. Non, mais je trouve que c'est compréhensible. Après, il y avait des dessins aussi chez Tâche Franck facile. Qui étaient cursed encore. Hein. Bon, alors, je sais plus où on va. On va aller à Ombreville. Et on va aller taper Sarévoque. J'en ai marre de tourner. On va aller d'abord à la potion magique là. Acheter de la potion, je crois que c'est là. Pas ici. C'est fait. Et on va se taper. Oui, il y avait des. Il y avait des trucs. Il y avait des dessins un peu improbables. Ah, mais oui! Mais oui, mais c'est le dessin! Quel ami. Quel ami qui a fait un spruc. Alors, attends, oui, il y a un entrepôt avec un truc. On va peut-être faire l'entrepôt avec le basilic. Attendez, on va Oui, peut-être bien faire ça. sûr. D'abord. J'ai vu des Teletubbies. Pourquoi peau de spécifiquement de Teletubbies aussi? Pareil. Mais bon, voilà. Donc, pour Darmanin, il faut que je fasse attention. Donc, déjà, il y a eu les conneries des militaires français, de la maritime française, là. Voilà. Ah oui, et les mythos sur la 69. J'ai oublié cette histoire. J'ai tapé 496 parce que je crois que c'est bien un bon chiffre. Je vais trouver tout de suite, je pense. PlaceNet XXL. Gérald Darmanin annonce que 496 personnes ont été interpellées. Et la source, c'est BFM, selon ce que j'ai le premier truc que je suis tombé dessus. PlaceNet, je vais cliquer et après je vais me faire je vais brûler dans les flammes de la pub de BFM. Attention. Alors c'est que en région parisienne. Je crois que Oui, bien sûr. c'est la grande question parce que planète. Je crois que c'était Marseille parce que là ils sont sur Marseille non en ce moment. Ouais c'est ça. L'objectif est d'arrêter 850 caïds qui pourrissent la vie des quartiers. Ce lundi 25 mars au soir, Gérald Darmanin a annoncé sur France 2 que 496 personnes avaient déjà été interpellées lors des premières opérations anti-drogue PlaceNet XXL. 496 personnes. En une nuit. Imaginez, vous allez au collège.
Vous allez au collège. Il y a 500 personnes dans le collège, d'accord ? Dans ce collège-là, vous dormez le lundi soir. Vous vous réveillez le mardi matin. Étrangement... Ah, tiens, il est là. Non ! Ah bah... Oh ! Imoen a évité la métamorphose ! Incredible ! Et du coup... vous êtes la 497e personne, et du coup, vous allez au collège le mardi matin, et là, tout d'un coup, il n'y a plus personne. Il ne reste que vous. Il ne reste que vous. Imaginez le niveau. Le niveau de... J'allais dire un mot qui est très saniste, donc du coup, je vais pas le dire. Imaginez le niveau... De ce que ça signifie, 496 personnes, c'est énorme. Et ce qui veut dire qu'en plus, c'est des quartiers qui ont été visés. Bien sûr, hein. C'est toujours les mêmes quartiers quand c'est à Marseille. Donc, je le précise, il avait déclaré, nanana, donc ouais, il avait bien sûr préparé le truc en menaçant les gens à la télé. Parce que c'est ça aussi, hein. N'oubliez pas, hein, c'est de la menace. Quand tu dis, un exemple hein, de président qui a menacé, c'est un truc très simple. C'est dites à la télé, quand vous savez que vous êtes filmé en tant que position en tant que personne politique, etc. Vous dites, on va s'en occuper. Vous voulez qu'on s'en débarrasse, etc. On va s'en occuper. Ça s'appelle une préparation avant la force. Ça s'appelle donc une menace. Donc là, je regarde. Je vous précise si c'est que Marseille. Donc 4 non. Ah non, attention, c'est la. Alors, 4 nouvelles opérations ont été menées ce lundi dans la métropole lilloise, dans l'agglomération lyonnaise, à Dijon et en région parisienne, notamment à Sevran et Colombes. Ah oui, d'accord, c'est plusieurs endroits différents. Donc il y a eu Marseille aussi la semaine dernière et d'autres endroits. Lors d'un déplacement à Roubaix, dans la matinée, le ministre de l'Intérieur nous avait donné un premier bilan de 187 interpellations. Donc du coup, il était arrivé dans le Nord, et il a dit « Ah, au fait, j'en ai déjà récupéré pas mal. On a un objectif de 850 personnes. » Mais c'est quoi, cette... Oh. Démanteler des points de deal en intégralité. Mais c'est... Attendez. Je vais poser une question bête, hein. Mais si t'as déjà 850 personnes sur ta liste, comment c'est possible? Ah, tiens, il y a tout le monde qui est en train de se faire figer. Je vais peut-être charger avant de sauvegarder. Si t'as déjà 850 personnes sur ta liste, ça veut dire qu'il y a eu un problème quelque part. Messages précédents soient liés. Alors, je vois pas tes messages précédents, ils ont été automode. Ah non, Striga. Oui, d'accord. J'ai pas essayé de forcer le passage, j'ai pris le paquet d'en face. Hier après-midi, les quais étaient vides et il y avait que des keufs et même des militaires armés. Ah oui, c'est possible que ce soit ça. Oui, c'est possible que ce soit ça, parce qu'apparemment, c'est la France d'hier soir. Et aujourd'hui, ça sera 400 personnes de plus. Il en manque 400, hein, si on calcule. On envoie Imoen, hein, parce que j'imagine que Imoen va éviter. Voilà. Évite bien, hein. Oh. Dire qu'on t'avait donné tout notre pouvoir, Imoen. Bon, du coup, je sais pas comment on va faire, parce qu'on a plus de potions d'invisibilité ici. Mais la dernière fois, on avait fait potion d'invisibilité... Hop. Mais à une bonne distance. Oui, presse F to pay respect, bien sûr. Bon. On n'est pas invisible jusqu'à la fin de notre vie. Hein. Ça me fatigue cette histoire de potion d'invisibilité qui fonctionne pas. Ah, la cape de protection. Est-ce que... Non mais Razan ne peut toujours pas porter de cape. À quoi ça sert?
Cape de nymphe, c'est quoi déjà? Charme créature, jet de sauvegarde contre les souffles. Ah, est-ce que c'est un souffle, le truc de basilic? Ça, c'est une grande question, ça. Ouais, d'abord, on va faire ça. On va se... Ah! C'est vrai que tu as une baguette d'effroi. Est-ce que la baguette d'effroi fera le travail, d'après vous? Ah! Effroi! Effroi! Ça n'a point marché. C'est invisible si les autres sont d'accord. C'est exactement ça. Oui, bien sûr. Si les autres ne sont pas réveillés, actuellement en train de manger face à... qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu sur TF1 aussi. N'oubliez pas. Il y a ça aussi. Bon. Je vous aider. C'est Lune, guides my hand. Ah, comment on va faire? C'est un regard, Clem Lelu. Merci. Merci, merci, merci. Donc si c'est un regard, nous sommes dans le caca. On va peut-être lancer des... Je crois qu'on a des cocktails Molotov dans la boîte à... La boîte à malice. La boîte des potions. Ouais. Hop. Ouvrir. On doit avoir des cocktails Molotov. Peut-être qu'on peut l'avoir en vitesse. La potion de blocage de magie, ça peut être pas mal contre ça, évoque aussi. Potion de statue. Ah, mais on en a 3. Ah, mais ça sert à rien, ça. Voilà, l'huile de feu ardent. Sac à dos, sac à dos. Sac à dos, sac à dos. Sac à dos, sac à dos. Voilà, hop. On a les molotovs. Ça a Dorn, on va essayer avec Dorn. Une blondière. Ah. Quelqu'un a été repéré. Oh là là, Razad, tout de suite. Mais regardez, tout le monde meurt. On n'a rien lancé. C'est quand même un drame. On n'avait pas fait un truc. Ah oui, si, il y avait ça aussi. On peut faire ça. Elle a son truc de rétrovisionnement là par là. Alors attendez, on va changer le sort. 2 minutes. Deux fois ça, toi. Ah oui, c'est soin de blessure légère. Ça peut être pas mal d'avoir ça deux fois. Fatalité. C'est ça qu'il nous faut. Neutralisation du poison. Protection contre la mort. Protection contre le plan négatif. Soin des blessures graves. Vision lointaine, c'est ça qu'il nous faut. Bon, on a dit, les animaux c'est bien, la nymphe c'est bien. En fait, l'ensemble des trois est bien. Donc, on va enlever les animaux, on va mettre la vision lointaine. Va falloir faire dodo ici. Une tâche facile. On va devoir dormir dehors. Une tâche facile. Bref, voilà. Ouais, faut faire gaffe à Darmanin, mais pas que à lui. Hein. Là, moi, Une tâche facile. Ça va augmenter. Là, le truc qui est en train de se dérouler, c'est exactement ce qu'on avait peur qu'il arrive déjà. Ce qu'on allait se douter aussi de ce que ça allait se passer. Comment ça allait se passer. Avec les JO. Là, c'est clairement ça aussi. C'est qui que je devais envoyer là? Je sais même plus. Ah oui, c'est ça. Fallait que j'utilise mon pouvoir de rétrovision. Ah mais... Mais elle a pas. Pourquoi elle a pas son truc de rétrovision qui s'est passé? Là j'en ai un de plus et je l'ai pas mis là.
Bon, voilà, on va faire ça. Voilà. On va voir si on peut le figer aussi. Si on peut figer un basilic, on C'est y est fait. bien. Hein. Parce que, en vrai. Ah oui, c'est parce que j'ai sauvegardé à l'extérieur, je pense. J'ai pas fait dodo. En vrai, le truc, c'est que c'est. Et c'est. Même si tu l'utilises en tant que. En tant que. Je sers Et le en poing plus. enflammé. Oui, mais d'accord, mais il me tire du sommeil. Mais est-ce que j'ai pu dormir? Mais niquez-vous, le poing enflammé, on peut même pas dormir! Oh là là! C'est fait. Ouais, c'est même pas une opération anti-drogue si Tâche j'utilise facile. le truc de l'urgence Veuillez attentat. risquer. Particulier comme move. C'est toujours de toute façon les mêmes strats, hein, c'est faire des tests à des endroits pour pouvoir ensuite mettre en place les choses, quoi. Et oui, il y a aussi Disclose qui a sorti. Je suis en train de regarder là. C'est Sia Masbak qui a fait tourner ça. A sorti apparemment que du coup la France arme. Passe. Oui, bien Pas lister. sûr. Soi-disant, comme d'autres personnes parlent de la rhétorique défensive, je suis C'est tout fait. à fait d'accord. C'est à quel moment être armé est une position défensive. Le serviteur de Bon. la nature attend. Je vais pas vous lire, hein. Il y a d'autres personnes qui sont. C'est comme si c'était fait. Il fallait pas juste que je clique quelque part? Je comprends pas là ce qui s'est passé. Attendez. C'est passé quoi là? L'infravision, c'est pas un C'est truc fait. Faut que je vise. Pourquoi elle s'est déplacée? Le serviteur de Dame Nature attend. Faisons dodo. Ok. Vision lointaine. Là. Logiquement, voilà. Personne ne nous a repérés. Maintenant, immobilisation de la créature. Et on a une chance sur 90. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. On va faire le jeu de qui immobilise qui en premier. Je pense qu'on va faire ça. Pardon, on va boucler pour la blague juste du C'est comme truc. si c'était fait. J'ai utilisé là? Ah ouais, donc je peux vraiment me faire foutre si je bouge en même temps. Ah ouais, c'est dur la vie. Pardon, je dis des gros mots. Allez, 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 allez! Oh la vitesse là, Gérard! Peut-être qu'en faisant. On va tourner autour. Peut-être qu'en tournant autour, on va y arriver. Le temps que cette bestiole se tourne. Et se déplace tout simplement en fait. C'était comme ça qu'on avait réussi à faire, je crois. Oh non, mais le 360! On l'a où? Oh! On avait évité. Le jet de sauvegarde était bon. Autre manière de faire. Hop! Que du coup, je peux. C'est Normalement, fait. avec Roland de la Tourbresson, la distance est suffisante. Ah, mais ça fait bugger tout le monde, hein. C'est une histoire quand même. On va essayer de l'avoir quand même.
Allez, on a des jets de sauvegarde un peu incroyables avec Roland de la Tour-Bresson, c'est incroyable ces histoires. Haha, tu mourras jamais en tournant autour de ce pilier. Tu te feras toujours avoir. Vas-y, tu es où? En haut, à gauche, à droite? Y a pas que Jaira, c'est qui est bloqué aussi? Imouen, elle est où? Elle est là. Imouen, elle est figée dans son flou. C'est beau. On n'aurait pu jamais la voir. Ah non, j'ai sauvegardé. Non. C'est bon. C'est comme tout va si bien. C'était fait. Bon, on va se protéger. On va se protéger. On va faire comme si on allait se battre contre un bourrin. Pas plus le cas. Peau d'écorce sur. Je sais pas. Sur la Tour-Bresson. On peut rajouter quelque chose d'autre. Ah oui, il appelle des créatures des bois. C'est vrai qu'on peut appeler la nymphe. La nymphe, on s'en fout. Elle peut confusionner. Basilic facile, ouais, façon de parler, hein. Convocation d'Astraxia, c'est pas mal aussi, mais bon... S'approcher, c'est un peu chiant. Là, nous t'avons repéré. Maintenant, envoyons... Peau d'écorce. Sur Roland de la Tour-Bresson. Comme ça, t'auras tout jet de sauvegarde à 70 millions. Immobilisation des monstres. Hop, on s'en fiche si tu te fais bomboclate. C'est assez rapide. Et elle a explosé en plus. Ah, c'est beau. Oui, c'est fait. Il me faut un truc qui fasse mal, là. Et la police tue. Quoi, la police? Comment ça? Ouais, on a trouvé le basilic. Ah, tu m'auras jamais. Je vais tourner autour. Jamais tu ne m'auras. Pa-pa-pa. 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 Non! You shall not pass! Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Il a peur! Allez! Y'a que Jaira? Non, y'a pas que Jaira. Je n'ai fait que regarder. Tue-le! Dorn, il ne reste que toi, nous allons faire qu'un binôme. 7000! Faut absolument qu'on le batte. Faut absolument qu'on batte cette bestiale. 7000 d'expérience! C'est quoi ce truc? Ah, JPP, pourquoi? Pourquoi c'est aussi... Pourquoi les plus durs sont forcément les plus beaux, les plus d'expérience, là? Oui. Copino a déclenché l'alerte parce qu'il y a COP dans l'histoire. Bon. On recommence, hein, pour la blague. C'est comme si quoi c'était fait. Ah oui, je me disais, mais attends, mais c'est pas possible ça. Non mais... Pars-toi. Oh. Et si on faisait un truc? Genre, immobilisation des monstres à deux. Allez! Oh non! L'échec de l'incantation! On va faire ça. On va faire à deux. Il y en a forcément... Il y a forcément une des deux qui va y arriver. Ah, mais non, mais si je claque mon truc en plus. Faut juste souhaiter très fort
Que ce soit l'elfe qui se fasse basiliquer. Il faut juste que ce soit très fort, que ce soit l'elfe. La nymphe des bois plutôt, parce que je dis elfe, mais c'est pas l'elfe. Désolé, hein, on prend un peu de temps. On a besoin des 7000 points d'expérience là. Non. 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 Elle s'est mis peau d'écorce, mais nique-moi. Jaira, s'il te plaît, respecte-toi, s'il te plaît. Immobilise ce truc. Du feu. Lancez-lui du feu dans la tête, s'il vous plaît, merci. Razad, plus vite. Faut qu'on s'en débarrasse très très rapidement. Prenez-lui sa vie, le plus possible. Allez. Oh non, il y a déjà quelqu'un en moi. Mais JPP. Il regarde une personne, c'est fini. C'est comme si c'était fait. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, là, ce jeu. Très 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 compliqué. Bon, la nymphe. On va se pot décorcer les uns les autres. Voilà, harmonie défensive, c'est pas mal. Je me pot décorce. Non. Ça va me faire foutre. Ok. Armure de la foi. Pot décorce. Et tu peux y aller. Voilà, hop. Khalid, mon chéri, le jour où vous déciderez à parler, les poulots... S'il vous plaît, je... Magnifique. Vous ? Non. Conservez votre beauté, malgré vous. Pourquoi maintenant ? Pourquoi c'est le moment de flirter, les gens ? Je sais pas où est partie de notre nymphe. C'est ça la blague. Où est la nymphe? Je vais me positionner ici, je pense. Par contre, la nymphe, ouais, merci. Okay. Toi, tu vas nous immobiliser cette personne. Et nous, on va attendre un tout petit peu et on va immobiliser la même personne. Allez! Elle est pas immobilisée. Oh là 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 là. Mais c'est efficace au moins? Oh, j'ai de sauvegarde contre les... Wouah! Je ne sais quoi faire. Bon. Ah oui, c'est vrai qu'on peut se cacher dans les ondes, tout simplement. Parce que c'était ça le truc de l'invisibilité. Cacher dans les ondes. Bim. C'est un animal. Normalement, il a pas trop la capacité de me voir. Donc on va se positionner ici. LOL. On n'a pas de boule de feu. Rappelle-toi, on n'a pas de boule de feu, à part des molotov. À la centième mort, on se barre voir ses révoques. Hein. J'en ai marre. Ouvrir. Donc les molotov, je crois qu'on les a déjà sortis. Dorn qui les a. On peut essayer, on peut tenter. Est-ce que vous pensez que je vais garder l'invisibilité si je lance des molotov? Oui, bien sûr. Je vais bien devant, hein, au cas où.
Bah c'est fini. Oh! Ah mais c'est ça! C'est pas très efficace. Alors j'ai appuyé ou j'ai pas appuyé? Oui, bien sûr. Je sais plus comment on les avait fait. Hein. J'avais pas fait la technique de j'avance, je recule. Je faisais flèche par flèche. Il y avait pas une histoire comme ça. Déjà, pas de conscience, s'il vous plaît. Je sais plus comment on avait fait dans la grotte, mais c'était plus petit. Beaucoup plus petit. Donc on avait la possibilité de faire un truc. Là c'est plus 1, c'est ça. Donc ça c'est pas important. La flèche de feu ça peut être intéressant. Les mordantes ça peut être intéressant. Flèche de glace ça peut ralentir la vitesse. On va peut-être faire ça. Après on fera acide si jamais il y a un problème. D'abord glace. Une flèche. Chaud coin. Non! Vite. Je te prends ta vie. Ah, Dane. Au final, le plus grand méchant, c'est les basiliques. Ah non, mais c'est pas la bonne charge. Qu'est-ce qui se passe là? C'est fait. On se dit qu'on l'a trouvé, hein. Oui, bien sûr. On va aller voir Sarevok. J'en ai marre. Il nous reste 5 vies. On va utiliser ces 5 vies contre Sarevok. Je sais plus où il est d'ailleurs. Il est dans le trône de fer ou. Je sais plus où on passe pour aller à Ombreville. Vous devez réunir votre. Non, c'est le point enflammé, je crois. Ouais, c'est ça, c'est le point enflammé. Ah, déjà pas te parler, ça serait pas mal. Non, c'est pas sans dette de j'arrête, c'est juste. On est à la fin et tout le jeu me rappelle que je suis à la fin, donc en fait, au bout d'un moment, c'est pas très intéressant. Oui, bien sûr. On n'arrive pas. En fait, on va re-aller voir Sarevok, vu qu'il y a que des mages, et que en général, les mages, on arrive à le gérer. Si ça se passe bien. Parce que la dernière fois, ça s'est passé très très mal. Mais on l'avait fait qu'une fois. On avait fait un test. On s'est dit, ouais, on va faire les quêtes. Sauf que là, on est un peu plus équipé. En armes, pas vraiment autre chose. On cherchait ses bottes, ouais, aussi. On cherchait nos bottes. Maintenant, on cherche plus les bottes. Maintenant, on va aller voir Sarevok, mais je sais plus où il est. Il est à Ombreville, mais je sais plus comment on y va. Et il nous a dit, ouais, en fait, je peux vous emmener. Il n'y avait pas quelqu'un ici pour pouvoir nous dire, ouais, en fait, t'inquiète. Je connais où c'est. Pas là-bas. C'est fait. Ah non! Je veux encore être déclassé. Non, s'il vous plaît. Je sais plus où c'est peut-être dans le trône de fer, moi. Je sais plus, moi, où c'était. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. T'es où, déjà? Labyrinthe, mais c'était quel labyrinthe déjà? Basique, en liberté, on peut rien faire. On peut rien faire, il va survivre. c'est où? Une tâche facile. C'est fait. Je sais plus où c'est. Mais là, on fait que monter, c'est nul. Je sais que c'est nul ici. Allez, on descend. On fait que monter alors que le labyrinthe, je crois qu'il. Ah, mais il est pas dans les égouts?
Une tâche facile. Et pas dans les égouts, le labyrinthe, c'est possible ça. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Je me rappelle, j'ai plus de cerveau, moi. C'est fait. Si, c'est ça, c'est dans les égouts, pas loin de, du point enflammé. Je crois qu'il y a un truc comme ça. L'accès, il est pas loin, en fait. Point. J'espère que ce soit pas sur la map. Une tâche facile. C'est pas un truc genre oui, de ce côté là. Ah oui, il y avait des échelles aussi où on se disait ah ouais non mais c'est incroyable, on a trouvé des trucs qu'on ne savait pas. Truc ça dans les égouts. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Il y a une liaison avec le quartier des plaisirs, hein, je sais plus vous comment ça. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Où je suis ? Où je suis ? C'est fait. Que fais-je ici ? Que Dieu vous garde si vous réussissez. Ah ! Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On pouvait rentrer dans le trône de fer par ici, d'accord. Plus loin. On apprend tous les jours. C'est fait. Ce qui se passe c'est plus ici du est tout c'est. À fait inhabituel. Vous devez réunir et votre groupe. C'est quoi, c'était à l'épisode 45, un truc d'ancien ? Ouais, donc là on est dans le quartier des plaisirs, donc du coup il y a un endroit. Une tâche peut-être facile. Là. C'est plus du tout. Là il y a... on s'était fait attaquer ici. Je crois qu'on s'était fait téléporter, hein. C'est possible qu'en fait on a abandonné le jeu et que le jeu nous abandonne. C'est possible ça. Que en fait on a continué à jouer. Oh, pas fait. Trop là où on est. Je crois qu'on était à 45 et quelques où on avait été à Sarivox. Peut-être après. Bah bon. Ça fait quand même un moment où on traîne dehors. Oui, non, mais non. C'est la quête de Dorn là, 45. Avant la quête de Dorn, on est d'accord. Vous avez l'info, je prends, hein, parce que j'en ai marre. De me balader, là. Le basilic, c'était compliqué. Est-ce que c'est la quête de Dorn, ça ? Je sais même plus, moi. Est-ce que c'est là où on a appris les trucs ? Oui, c'est là où on cherche, il nous donne... Ah oui, on a trouvé Brague après. C'est vrai que ça, c'était longtemps avant. Du coup, on est à 40. C'était à 40 qu'on a commencé. Donc ça fait 10 épisodes qu'on est en train de se balader dans la pampa, là. Non, mais faut que je vous respecte un moment. C'est abusé, ce que je fais. C'est abusé. Là, je fais... Ça se trouve, on fait durer le plaisir pour rien, là. Peut-être dans les je check. Ah, donc là on est en train d'essayer de récupérer le dragon qu'on a loupé dans en 40. Oh, c'était avant encore. Purée, j'y crois. Oh, pas, je sais plus où on est. Où aller trop retrouver ça évoque, c'est où 35. Ah, on est dans les égouts dans 35. Pour l'environnement, il aurait mieux valu laisser cette terre à l'état sauvage. En fait, on y est arrivé à la fin. À Ombreville. Ah, là on se faisait... l'épisode 35, on se faisait bien bomboclate par les keufs. Hein. Bon... intéressant, mais bon, on va aller à la taverne. C'est fait. Ouais, mais skills de... J'ai pas lu, ouais, je vois ça. Hein. Ah. Y'a pas de 36. Perdu le 36 ? Pourquoi y'a pas de 36, là, hein ? Dans la collection, y'a pas de 36. Faut que je corrige. Ah ! J'avais pas de barbe en 37. Incroyable.
C'était il y a longtemps. Non, mais j'ai pas décidé d'ouvrir la porte, je veux juste entrer dedans. Là, je suis au trône de fer, qu'est-ce que je fous là? On l'avait trouvé à la fin. J'ai vu... C'est entre 37, parce qu'on traînait dans Baldur pendant trop longtemps. On a trop traîné à Baldur. Entre 37 et 40. On continue à chercher. Ah! Trouvé! Comment on est rentré ici? 38. Vinsky Perorat. Le labyrinthe, ok. Where is the labyrinthe? Where is the labyrinthe? Oh, alors, il y avait plein de pièges. Oh, c'était incroyable. C'était la belle époque. Hein. Mais ça c'était dans le point enflammé, ça. Ah, c'était... À la fin de 37, on est rentré dans le labyrinthe. Alors, attendez, parce que je check. À la fin de 37, on rentre dans le labyrinthe. Là, on re-rentre par la porte. Ah ouais, c'est pas un truc genre les... C'est juste au début de... Juste après le pont. Y'a pas une histoire comme ça, c'est juste après le pont. Qu'est-ce qu'on fout là? Où je suis? Là, on visite la Baldur's Gate, ok. Et à la fin, on fait quoi? Ah, c'est dans le palais ducal? Non. C'est Belt qui nous envoie. Donc, faut aller au palais ducal, ok. C'est Belt qui nous envoie là-bas. Donc, faut aller voir Belt. Vous savez, les gens qu'on a sauvegardés, là. Palais ducal. Palais ducal, je crois que c'est en haut. Là où on doit être. C'est où qu'on est, là? S'il vous plaît, venez ensemble. On va voir ce qui se passe. Tâche facile. Après les skills légendaires, moi j'ai pleuré hier, j'ai joué à Donkey. La tristesse en ma vie. Hein. J'ai perdu 33 vies dans un niveau. J'avais envie de pleurer. Une tâche facile. Faut aller voir Belt, c'est eux qui nous emmènent. Oui, c'est ici. On a sauvegardé les deux personnes, rappelez-vous, qui nous emmènent. Bonjour. Ah, vous êtes avec un keuf qui nous aime pas. Bonjour, je veux être téléporté. Grâce au pouvoir de mon dieu, je devrais pouvoir deviner l'endroit où il se trouve. Attendez un instant, je vais vous le dire. Il a été téléporté jusqu'à la guilde des voleurs, je vais vous emmener dimensionnellement là où il se trouve pour alors. C'est la guilde des voleurs. Donc, oui, bien sûr. Et normalement, le labyrinthe de la guilde des voleurs, il est là. Donc c'est ça. C'est ça. C'est fait. Non, le Tropical Freeze. Mais j'ai pleuré. Regardez la course. La course pour aller se taper sa révoque. Hein. On va rire, c'est quand le jeu va dire en fait faut que je tourne à gauche alors que les autres ils vont tourner à droite. En fait, je me suis imposé deux fois ce labyrinthe hein, au final. En aller-retour. Ce qui est quand même grave. Je sais même pas si tu vas au bon sens là, c'est compliqué ce que tu me proposes. Ça a l'air d'être ça. Moins d'être ça. Si, c'est ça. Il n'y avait pas plus court? Si, il y avait plus court, non? Non, il n'y avait pas plus court. Ok.
Ouais, là, mais là, je suis désolé, hein, on n'est pas en x4, mais en émulation. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Bon. Si, il y avait plus court. Ah ouais? Tac, 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 tac. Là, s'il rentre... Ouais, c'est ça, il peut passer par là. Il y a plus court, mais ils ont décidé de faire plus long. En plus, il est l'heure que je parte au travail, j'ai pas envie. Ouais, il y a Sentier Battant qui vient d'arriver. Bon, il y a Sentier Battant, on va aller peut-être voir aller Sentier Battant. Bon. ASMR pied. Vous devez réunir votre groupe avant ASMR pied nu. Écoutez. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. C'est bon, on est tous ensemble. Vous devez réunir votre groupe. Ah non, on attend d'ordre. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. C'est bon. On se garde là maintenant, comme ça va être bien. Teste juste la mage. Ah, j'ai pas mis la mage OBS, c'est vrai. C'est fait. Bon, voilà, c'était marrant, il y avait des morts vivants ici avant qu'on passe. On n'est pas allé tout en bas, mais bon, on va aller là. Hein. Salut! Viens chercher l'expérience! Bonjour! Ah bah voilà! L'expérience! Pile au bon endroit. Surtout, ne faites rien, monsieur Razad. D'expérience par personne, c'est nul. C'est nul. Une tâche facile. On a besoin de plus d'expérience là. Et ASMR plancher communicatif, exactement. Et bien sûr, ne bougez pas sans votre groupe. Et moi je trouve, c'est une des phrases que j'aime bien dans Baldur's Gate. C'est un peu de gauche. Je trouve. Pour aller plus loin, j'ai besoin d'un groupe. C'est pas mal. Le pouvoir du collectif, ça se trouve, ouais. Ça se trouve, c'était ça. C'était en fait une grosse propagande de gauche à Baldur's Gate. Ça se trouve. Hein. Et en fait, on l'a tous et toutes eu dans la tête. Je ne peux pas avancer tant que je n'ai pas de groupe. Ah! Est-ce que tu as un crâne à nous donner? On cherche un crâne depuis un moment, on n'a pas trouvé. Bon, Ombreville, elle a bien son nom, hein. C'est une ville et elle est dans l'ombre. Ah, il y a quelqu'un qui m'attaque. C'est un blême. Nous avons un blême. Pour ceux qui ont péri. Vous devez réunir votre groupe pour aller plus loin. C'est pour ça que je voulais la récupérer, la phrase. N'hésitez pas. N'hésitez pas surtout à survivre. Je vois que vous perdez beaucoup de vie contre les blêmes. Je pense qu'on va mourir. Contre ça évoque. Je dis ça comme ça, mais j'ai l'impression que ça pue le cul. Mais on va faire. Mais j'ai déjà prévu d'aller chercher les sons de. Aller les chercher. Les mettre. Oh, dedans. Mon cœur n'y est pas vraiment. La lame vous coupera en morceau. Bon.
ceux qui ont et vous débarquez un peu, hein. Il manque quelqu'un, j'ai l'impression. On a perdu quelqu'un. C'est qui est là? Et maintenant, que se passe-t-il? Mais Roland de la Tour Brosson, t'es tout seul! Oui, bien sûr. Je pense que... on aurait eu un peu plus de chance si on avait acheté des potions. Et moi, je m'en vais, j'avoue. Et moi, je m'en vais, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Moi, je m'en vais. Ah oui, ça, c'est toutes les pierres qu'on a laissées ici. On s'est allégé les poches. Allez, on fait 2-2 devant la porte. On va rechecker à quel point il est difficile de se taper. Roland Anna, individualiste, on te voit. On l'a vu, hein. Je soupçonne... de garder les 140 000 balles. Hein. Du coup... il va falloir qu'on se stratifie. Le serviteur de Dame Nature attend. Tu as toutes les potions, donc il va falloir les distribuer. Donc ouvrir le contenant, focalisation mentale, non. Force des géants, peut-être qu'on va les sortir. Ça fait quoi? Intelligence plus 3, dextérité plus 3, c'est pas mal ça. Potion de liberté, potion de géant. Intelligence plus 4 jusqu'à un maximum de 25. Ah, c'est pas mal! Résistance à la magie, ça on en a besoin, parce qu'il y a beaucoup de... Voilà. On va prendre ça. Rapidité. Ça peut être pas mal aussi. Blocage de magie. Ah! Mince. Géant de feu, ça va être d'or. Huile de rapidité, ça peut être rasable, parce que c'est s'il arrive à nous enchaîner les petits coups, ça peut être bien. Potion de pouvoir, ça va être toi, de toute façon. Protection contre la magie, donc ça, il faut les distribuer. Géant des pierres, on va mettre rayé. Potion de résistance à la magie, il faut les distribuer, vraiment. Hop. Ça, c'est pouvoir. Ouais. On avait dit... force morale, blocage de magie, c'est ça qu'il nous faut. Ça fait quoi l'absorption? Résistance à l'électricité plus 100%, c'est vachement bien. On va prendre ça. Bon, on essaye comme ça déjà. C'est un peu le bordel, mais hop. Alors, on va l'utiliser. La vie, on en a besoin. Contre la magie, il faut qu'on l'utilise tout de suite. Blocage de magie, il faut qu'on utilise sur toi. La vie, on mettra ça en option. Hein. Héroïsme, peut-être. Invisibilité, peut-être. Il nous faut de la protection contre la magie. Ah, force. Ça, c'est bien, ça. Pas besoin d'être invisible. Invulnérabilité, mais incroyable. Voilà, invulnérabilité, on va te mettre à toi. Ou à Dorm. Adore l'invulnérabilité. Tu vas y aller tout seul. Comme un grand. Ouais, avec les molotovs, tu y vas tout seul. On teste juste avec Dorm. De toute façon, là, on a plus ou moins fait les bons choix. Ah, t'as été automate, attends. Même l'autre dit Moen, il se passe des choses que je ne veux pas y prendre part. Ouais, c'est vrai, c'est assez goldé. Le moi, je m'en vais à force de l'entendre ici, je le sors in real life. Mais oui. Moi aussi. Ben Anar. Individualiste, c'est chaotique, bon, oui, c'est vrai. Moi, je dis ça, oui, c'est vrai. C'est vrai, archi vrai. Mais l'automode, là, j'ai pas dit d'insulte. Je pense que c'est... ah, c'est vrai que ça c'est une bonne idée. Je l'aimais déjà quand j'avais le jeu 20 ans en arrière. Et automode pour rien, mais oui, clairement. Moi, je m'en vais. Je vérifierai pourquoi il t'a automode, mais on va envoyer au casse-pipe, on va envoyer du coup Dorn. En mode invulnérable pour voir ce que ça donne. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Ok. Nous voici ici. En terre non sainte. Nous allons pouvoir utiliser ça. Ma confrontation finale avec Sarevok.
Petite bénédiction. Qu'est-ce qu'on peut mettre de plus? Bénédiction, ouais. On bénit Dorn, pour vous dire à quel point on y est. Hein. On est vraiment à la fin. Et on va envoyer notre ami. On n'est pas à 95? Je sais plus. Il va rajouter une petite dose. Elle a la foudre, c'est pas vraiment. Envoie magique, ce serait pas mal. Une petite dose de protection sur Dorn. Voilà. Et on y va ensemble. Donc, Dorn, tu es invulnérable à partir de maintenant. S'il te plaît. Et on y va. Oh, il est mort. What the fuck? C'était une fausse potion. C'était une fausse potion, c'est fait avoir. Non. Je suis choqué. Il n'y a pas d'invulnérabilité dans ce jeu. Bon bah voilà. Écoutez, hein. Qu'est-ce qu'il fait le gobelet? Guérit complètement le buveur, fait fuir le buveur au premier signe de danger. Ah, oh, mais c'est l'enfer, ça. De toute façon, ça peut que être Dorn. Allez, on va envoyer Dorn. Ça peut que être Dorn. Moi qui J'y croyais. Petite bénédiction. Et après, faut que j'y aille, hein, parce qu'en vrai... Gorion, travail, je serais fier de vous. Ouais, Gorion, ouais. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, la nymphe. Non, mais ça, c'est fronvoiement magique. Moi, je veux la nymphe. Qui? Résistance au feu, on va prendre ça. Confiance aussi. On va aller au CAC 40. Hop. Petite protection en plus. Et attention, je vais vous faire l'attaque des streamers en règle. Et bien sûr... J'ai honte et en même temps, ça me fait rire. Et bien sûr, on se retrouve après que j'aille aux toilettes. Tear of the quoi SC, ça révoque, c'est un rigolo.
Désolé, oui, je crois que c'est bien du gaslight d'aller aux toilettes au moment fatidique. Je pense que ça rentre dedans. On y va ? C'est parti ? Salut, c'est moi. Ah, ah oui, c'est vrai qu'il y avait un piège dans ce truc-là. LOL ! Une fois ma tâche accomplie, affrontez-moi. Ouais, 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 d'accord. Allez, on va te tuer. Faites face au nouveau seigneur du mort. Les rues seront couvertes de sang. Oui, bien sûr. Ma lame vous coupera en morceaux. On peut immobiliser sa révoque, vous pensez? Y'a rien qui va! Il va me falloir. Il est super speed en plus, mais c'est quoi ce truc? On m'avait dit qu'on utilisait l'acide sur sa révoque. Hein. S'il te plaît, respecte-nous. Je vais avoir. J'ai si froid! Pauvre chose! Tale of the Sword cause la légende de la ligne perdue. Okay. Bah après c'est le Unseen Edition, ça se trouve il y est. 96. Bon. La blague y est. On a fait la blague. Blague! C'est la blague de la fin. On va jamais finir ce jeu. On est mort vite! On avait toutes les protections! Toutes les protections et on est mort quand même! Je suis choqué! Allez, je remets la musique. Moi je dis facile, bah bien sûr. Comme le basilic. Bon, qui c'est qui n'a pas grand monde? Ah bah, le sentier battant n'est plus là déjà. Bon, il y a du Baldur's Gate qui est en train de se dérouler chez Tiflin, donc on va aller voir Tiflin. Bon, bah bravo Clem Lulu pour les 2895 caractères, bravo Strega pour les 2123 caractères et 1354 pour Fred, à très peu, il était à 1312. En tout cas, bravo d'avoir été là. 96 morts et on est toujours au même endroit. Je sais pas trop quoi en penser. Pas loin, pas loin. Voilà. Désolé, désolé de ce mauvais jeu. De ce jeu tout court. Pas trop quoi vous dire. Il y a du people dans les bots là. Faut que je renettoie les bots là, il faut que je les banne. J'étais vraiment pas loin, mais oui, en plus, c'est clair. Oui, des cœurs pour la journée. Profitez bien. Reprenez votre souffle, je pense que qu'on en a tous besoin. Et toutes besoin. Voilà. Bon, on se capte de toute façon jeudi et on refait la même chose, c'est-à-dire des bêtises. Salut!